Bonjour les amis, on se retrouve dans Avatar Frontiers of Pandora sur PC et on va continuer les quêtes principales. On garde nos points de compétences pour plus tard, on va faire la quête suivante. La quête suivante, c'est Célébration de la victoire, retourner au QG de la résistance. On commence le pistage, on affiche sur la carte, c'est là-bas. Et c'est parti, on y va. Je suppose qu'il faut rentrer. Te voilà! Tout le monde met la main à la pâte pour la soirée. Je peux faire quelque chose? Voyons voir. Taylan a besoin d'aide avec les lumières. Tu peux t'en charger? En dehors de ça, je crois qu'on a tout. Tu peux te reposer, t'amuser. Va voir tes amis. Tu sais que Jean a essayé de cuisiner de la nourriture Navi? Alors, on va aller voir tous nos amis. Parler à Taylan. C'est chaud quand même. J'ai dû rester un peu en retrait pour veiller sur Alma. Sab, je viens d'installer des lumières. Je les ai pas encore testées, mais j'espère que ça leur plaira. Tu es doué de tes mains. Je suis sûr que le résultat sera à la hauteur. Tu penses vraiment? Je trouve juste que bricoler, c'est plus simple que parler. Les choses sont compliquées. On devrait tester les lumières. Si t'allais appuyer sur l'interrupteur, je reste ici. Au cas où mon câblage prendrait feu. Actionner l'interrupteur, voyons voir où il est cet interrupteur. Les stocks de munitions s'amenuisent. Dans le hub d'entrée. Oh, sympa le matos. Dans le hub d'entrée. Ah ben là, c'est là. Je suis jamais allé à une aussi grosse fête. L'ambime. Merci d'avoir aidé pour les lumières. Alors, on va parler à lui. J'apprécie que tu fasses l'intermédiaire avec les sœurs. Tu es Billy, c'est ça? Tu as décidé de venir à la fête, finalement? Ouais, et je commence déjà à le regretter. Dany arrête pas de me regarder. Et quelque chose me dit que c'est pas parce que je lui plais. Hmm? C'est peut-être parce que tu as apporté ton arme. À une soirée. Vous pouvez frapper sur vos tambourins de hippie et faire comme si on avait déjà vaincu la RDA. Mais Mercer ne se laissera pas faire. Tu as peut-être raison, mais on mérite tous de décompresser un peu, et de s'amuser. Ouais, amusez-vous, pendant que la RDA graisse ses armes. Harding a peut-être été cruelle, mais elle accordait de l'importance à ses soldats. Pour Mercer, tout le monde est remplaçable. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est pour ça que je suis parti. Mais maintenant, je me demande si c'est pas pire. Oh, écoute, je suis juste venu prendre de quoi grignoter. Ça me change de la bouillie que nous servait la RDA. C'est déjà ça. Alors, qui est-ce qu'on doit voir d'autre? Les enfants trouvent leur propre Ici. Manière de faire. On les a écrabouillés. Ce soir, on se détend. On parle pas de travail. Mais j'ai l'impression que Mercer prépare quelque chose. On a trouvé... Non, non. C'est une fête. Tiens, j'ai une question pour toi. Bien, je t'écoute. C'est bien moi la plus drôle, hein? Priya raconte des salades. Je suis drôle? J'ai juste un humour discret? Un humour discret, ça veut rien dire, tu dis n'importe quoi. Vous êtes toutes les deux drôles. Parce que ce serait insupportable si elle était intelligente, belle et drôle. Tu as sûrement raison. C'est bon. Intelligente et belle, ça me suffit. Allons chercher du gâteau. J'en ai vu quelque part. Ici aussi. Ton encolure est de... Vous vous amusez bien? J'essaye de convaincre Solek de m'apprendre le lancer de couteau. Il me dit qu'il ne sait pas faire, mais je crois qu'il ment. Je ne lance pas mes couteaux. Ce ne sont pas des jouets. Si t'en as autant, c'est forcément pour les lancer. C'est pas vrai, hein? Si seulement tu t'entraînais au lieu de bouder toute la journée, tu serais un vrai guerrier, et tu lancerais le couteau. Ça ressemble à un défi, Nol. Ok, Solek, je vais te prendre au mot. Entraîne-moi. C'est d'accord. Mais avant,
Il faut que j'aille voir ce que Harding a volé au clan. Je t'accompagne. J'ai envie de voir ça. D'accord. Et après, on pourra peut-être commencer l'entraînement. Avec plaisir. Ici, maintenant... Tu as mauvaise mine. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? 50, c'est pas terrible. Hein. 50... Les trucs de la guérilla, c'est vraiment pas trop terrible. Ok. Prends soin de toi. Alors ici... Et la longueur d'onde est optimale pour les prédateurs. Allons voir là. C'est curieux pour une fête, non? Tu n'as pas le cœur à la fête? Franchement, je préférerais tester la laine de Zakrou que les Essois m'ont donnée. De la laine de Zakrou? Cool! Qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, elle est assez épaisse. Je vais devoir être inventif. Tu devrais demander à Jin Yang de te faire de grosses aiguilles. C'est une très bonne idée. Je vais lui en parler. Merci. Ici. J'espère que les Sarentou resteront dans le coin. Eh, te voilà. T'as faim? Tant mieux, on a quelque chose de spécial à te faire goûter. Tu dois absolument goûter ça. J'ai jamais essayé de les faire griller, mais la pyrolyse du sucre devrait créer une saveur encore plus incroyable. Comme les oignons frits. La cuisine, c'est juste de la chimie après tout, non? Oui, oui, merci, Alex. Garde le cours pour plus tard, ok? Tu gâches la surprise, là. Ces saveurs doivent être vécues, pas expliquées. On a cuisiné un vrai plat navier. Ça a l'air bon, non? C'est toxique pour les humains, malheureusement, mais je suis sûr que c'est très bon. Goûter au plat. Le plat est là. Je me sens bizarre. T'en fais pas. Les effets s'estompent au bout d'un moment. Ça doit être agréable de redécouvrir Pandora après tout ce temps. On peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'arbres dans ces plaines. Et je crains que notre bagarre en ait déraciné d'autres. Celui-là est vraiment pas mal. Pas trop relevé? Maintenant que tu le dis, c'est un peu... Oh, ça pique! Tu as créé des liens avec les Essois. Leur force nous sera indispensable pour la suite. Ça me fait plaisir. N'en prends pas une si grosse! Trop tard. Oh. Tu veux un peu d'eau? Non, ça va. Oh, mais pourquoi? Pourquoi ça... Ça crépite dans ma bouche? Alors. T'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Magnifique équipement. Je sais pas où est la cuisine. J'ai récupéré une pile de choses détachées pour notre oiseau. C'est un miracle que je fasse un si bon travail avec les ordures que je reçois. C'était intense. Je t'avais prévenu. Sois plus clair la prochaine fois. Je voulais partager ma douleur. Waouh. Merci. Je sais que Jin Yang et son équipe ont fait de leur mieux. Mais nos vieilles rations étaient meilleures que ça. Je sais pas. J'ai apprécié les émotions de chaque plat. Ce sont bien des mots de diplomate, ça. Désolée d'interrompre vos festivités, mais je dois vous parler de quelque chose. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Je suis dehors sur la plateforme d'observation. Ok, j'arrive. Je vais d'abord reprendre de l'énergie maintenant. Les lumières sont si jolies. Hop. Bien joué, Taylan. Parfait, je vais parler ici. Alors, tu ne veux pas danser avec nous? Ça fait si longtemps, je ne saurais pas. Oh, Emily aurait adoré cet endroit. Elle doit te manquer. J'aimerais qu'elle soit là. Enfin, pas là. C'est pas une vie pour une gamine. Mais j'aimerais pouvoir sentir l'odeur de ses cheveux. Je parle comme une cinglée. Je ne me souviens pas des bras de ma mère. C'est une partie de moi qui me manquera. À jamais. Peut-être qu'on peut se compléter mutuellement. Ça me plairait. Si Adjir me laisse un peu sortir de l'infirmerie, tu pourrais m'aider avec mes recherches. On essaiera de cultiver un espoir pour la terre d'Emily. Avec plaisir. C'est quand tu veux. Ça, c'est un éclairage de fête. Alors,
parler à Alma sur la plateforme d'observation qui surplombe la zone d'atterrissage à l'extérieur du QG. Ok. J'espère que les Sarentou tout resteront dans le coin. Ah, il y a encore moyen de parler avec des personnes ici. Hey, salut. Tu t'amuses bien? Je crois qu'il y a encore de la nourriture Navi dans la cuisine. T'en veux? Ça ira, merci. Vous semblez un peu tendus, tous les deux. C'est rien. Enfin, Dany est inquiète à cause de Billy. J'ai pas envie que quelqu'un se fasse tirer dessus, tu vois? Il prend encore ses marques en tant que ex-RDA. Tu te souviens comment c'était? Les choses sont différentes ici. Moins de pompe et moins de traction. Et donc il apporte son arme au dîner. Je connais ce genre de gars. C'est un provocateur, qui se prend pour un cador. Il est imprévisible. C'est comme ça qu'on perd des gens. Au moins Billy fait des efforts. Il est venu à la fête. J'imagine. Mais je vais lui dire ce que je pense. Demain. On continue un peu à faire le tour pour voir s'il n'y a plus personne à qui parler. Et puis on ira à la plateforme d'observation. Ah là par contre on peut peut-être voir s'il n'y a pas des armes encore qu'on peut acheter. Et faire le plein aussi. Voilà. Tiens, jette un coup d'œil. Là on a une arme sublime en 12. Le fusil d'assaut que j'ai jamais utilisé. J'ai quand même beaucoup de trucs. Ici, on a le fusil d'assaut en 8. En 12, c'est quand même mieux. Hein. Le fusil à 130, ceux-là, ils sont dépassés. Tout est dépassé, en fait, quasiment. J'ai bien envie de me payer le fusil d'assaut en sublime, quoi. Je vais le prendre. Allez, je me fais plaisir. À la limite, je le mets comme arme supplémentaire. Et n'oublie pas, ne pointe pas tes armes vers toi. Je vais me le mettre comme arme supplémentaire ici. Je vais remplacer ce truc-là, que j'utilise jamais, celui-ci. Donc, sacoche, les armes... Non, oui, c'est sacoche, les armes ici. Je vais l'équiper. Non, comment je fais pour l'équiper déjà? Je me souviens plus. Fusil à pompe 190. Voilà, fusil d'assaut. On va prendre celui-là. On va regarder les modes qu'on a. Alors, dégâts sur monture 13, dégâts à la faune et à flore, dégâts sur la RDA, ok. Et ici, on a... Ouf, plein de trucs. Point faible 11, ok. Point faible 12. Dégâts RDA 5. Dégâts RDA 6. 6 ou 12 au point faible. Voilà, 12 au point faible, allez. Et je voudrais bien l'équiper. Hein, je sais plus comment on fait pour équiper le truc. Ici, équiper, voilà. Et je vais l'équiper là. Ça me met au niveau 13. Impec. Voilà, 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 voilà. On va aller maintenant à l'extérieur voir. Ah, on peut encore parler ici, mais c'est fait. Alors, on ressort. Où est la sortie? On peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'armes. Est-ce qu'il faut grimper, je crois, oui. Et je crains que notre bagarre en ait déraciné d'autres. Je crois que c'est bon, on a parlé à tout le monde. Go. Alors, faut trouver la plateforme près de la zone d'atterrissage. Ça, ça s'ouvre pas, ça. C'est bizarre, ça. On peut pas sortir par là. Bon, tant pis. Ça me semblait qu'on pouvait sortir par là. Faut que je trouve l'autre sortie. Je suppose. Bon, je tourne en rond là. Hey, comment ça va? Reste par calme là. Et livre les pièces à Anka comme une personne bah normale. Non. Pourquoi il veut pas que je sorte? C'est impressionnant, hein. Je vais sortir par là. Voilà. Les grenades j'en ai. Ok, voyons voir où est-ce qu'elle se trouve.
donc surplombe la zone d'atterrissage à l'extérieur de la base. Où est-ce qu'elle est la zone d'atterrissage? Là-bas. Ok. Ici. Regarde-toi. Tu as tellement grandi. On a beaucoup changé. Nous tous. Je suis si fière de notre résistance. Notre ? Regarde. Ça, c'est Sarento. C'était au fond d'une boîte. Avec tout ce qu'Harding a dérobé à notre peuple. Nous avons réussi à le récupérer. C'est tout ce qui importe. Nous ? Ils ne l'ont pas volé à vous. Mais nous voulons la même chose. Et c'est vous qui décidez de ce que c'est. Ce que l'on veut. Ce qu'il faut faire. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est le meilleur pour vous. Vous protéger. On n'avait pas besoin d'être protégés quand on avait notre clan. Où était votre protection quand Harding m'a forcé à tenir une arme? Et qu'elle m'a cassé les doigts pour y arriver? Ou quand Mercer a fait battre Taylan pour avoir mouillé son lit? Il en a longtemps gardé les marques. Il m'avait dit d'arrêter. Ou encore quand ils ont emmené Ahari. On ne l'a plus jamais revu. Ahari. Vous n'avez absolument rien fait pour arrêter Mercer. Vous êtes aussi responsable du mal qu'il a fait. Pas maintenant. Priya, tu peux répéter ? On dirait bien qu'on est en prison. Où je suis ? Comment je suis arrivée là ? C'est moi. Mercer et Harding nous ont chopés au QG. Je vais trouver un moyen de nous faire sortir. Billy ? Billy Nash, c'est toi ? Mais comment ? Et voici la nouvelle quête plan d'évasion qu'on fera dans le prochain Let's Play. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Avatar.